Le temps passe et malgré l'absence de ma mère, je dirais que je passe un assez bon été. Un jour, ma mère... L'Hymne de Faye, donc, qui est donc l'adaptation du roman de Nancy Houston, et se divise en quatre périodes. Il y a quatre parties qui peuvent être assez autonomes les unes des autres, j'allais dire, qui sont sur quatre périodes de l'histoire. On commence en 2004, après la guerre d'Irak, au moment où on tire Saddam Hussein de son trou à rats, et on remonte dans le temps de 20 ans en 20 ans jusqu'à arriver à la dernière guerre mondiale en Allemagne, au moment à peu près du bombardement de Dresde. Donc chaque fois, chaque période est racontée par un enfant de 6 ans qui parle de sa famille et de sa façon de voir le monde. Et c'est une manière de remonter dans le temps, c'est-à-dire qu'on voit un petit garçon, ensuite on voit son père, petit garçon, ensuite on voit son arrière-grand-mère qui devient grand-mère, puis mère, puis petite fille, et on remonte comme ça, comme une enquête familiale, c'est-à-dire comment un être humain devient ce qu'il est, c'est-à-dire en côtoyant des événements de l'histoire, en ayant des secrets de famille, et c'est une enquête passionnante sur ce que c'est qu'être humain. Si j'allais très vite, j'allais dire que c'est presque de l'analyse transgénérationnelle, comme on dit en psychanalyse. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un matériau théâtral. Et néanmoins, je trouve ça éminemment théâtral, mais à la source même du théâtre. C'est-à-dire, je pense que le théâtre, ce qui est formidable, c'est de réunir des gens pour nous interroger sur qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose d'être un être humain. Et je parlais d'enquête, comme une enquête policière. C'est-à-dire, comment on devient, comment on vit, comment on devient ce qu'on est, comment on est marqué par son pays, sa langue, l'actualité. Donc là, on est au cœur du théâtre. Et puis, je trouve que cette structure de remontée dans le temps est très théâtrale, finalement. Même si, encore une fois, le matériau peut paraître étrange. Mais ce n'est pas si étrange que ça, parce que les récits sont à la première personne et ensuite, on croise du récit direct de manière très souple. J'allais dire que la plus grande difficulté, ça a été les coupes. Que laisser, puisque c'est plein de fils. C'est telle chose, un nounours offert à l'arrière-grand-mère qui devient autre chose sur les générations suivantes. Donc c'est de ne pas perdre cette multiplicité des fils, tout en étant évidemment beaucoup plus condensé, parce que si on avait fait le roman en entier, c'est un spectacle de 16 heures. Alors sur la multiplicité des personnages, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est un travail de troupe. Ce que j'appelle un travail de troupe au sens presque le plus antique. Enfin, les comédiens, à part les narrateurs, et encore certains narrateurs endossent pas mal de personnages, mais les comédiens, ils sont 8, endossent un nombre de personnages incroyable. Je regrette toujours que le public ne voit pas les coulisses. Ça valse entre les perruques, les changements de costumes, ça n'arrête pas de valser. Donc ça, c'était plutôt le côté... plaisant, enfin, de cette adaptation-là. Après, sur l'adaptation, là où j'ai eu le plus d'inquiétude, c'est au tout début. C'est-à-dire, quel est l'axe qui permet de rendre nécessaire une adaptation au plateau? Parce qu'on peut se dire, le roman est tellement magnifique, qu'est-ce que ça veut dire de l'incarner? Qu'est-ce que ça veut dire de faire jouer des enfants de 6 ans par des adultes? Qu'est-ce que ça amène et non pas qu'est-ce que ça retire. Et du coup, j'allais dire que ça, ce sont sur ces axes-là que j'ai eu le plus de mal au départ. J'ai la chance d'avoir une tribu, ce que j'appelle une tribu, avec lesquelles on peut arriver, non pas avec une mise en scène totalement finie, mais faire de la recherche de laboratoire. Et une fois que j'ai trouvé le style, l'axe qui est effectivement... un premier plan, qui est le premier plan de la narration, et puis après ce que j'appelle les arabesques, c'est-à-dire... comment on ne ferme jamais la porte pour ouvrir sur un style direct, mais au contraire, ça se glisse. Une fois que cette chose-là a été trouvée, j'allais dire qu'après, c'était relativement facile. Ce que j'ai aussi déterminé finalement assez vite, c'est ce qui m'intéresse dans le roman, c'est-à-dire à la fois une interrogation très, très intime sur comment on devient ce qu'on est, psychanalytique presque, et puis la grande histoire, l'histoire avec un grand H. Et donc ce que j'ai appelé de manière un peu
symbolique la tension entre théâtre du globe et théâtre de cuisine. C'est-à-dire théâtre du globe comme Shakespeare, considérer que la scène est le monde entier et qu'effectivement on brasse l'histoire entre Axe du Mal et nazisme en passant par le laboratoire d'Israël, c'est-à-dire une chose surplombante vue de très haut et très embrassant comme ça l'histoire, et en même temps le plus intime qui est dans mon spectacle représenté par l'omniprésence de la table du petit déjeuner, qui est bien au-delà de ce qui se fait dans le roman, ce lieu de l'intime qui est l'endroit où on se retrouve pour parler des problèmes les plus graves ou les plus anodins. Et il y a une espèce de chose lancinante sur les quatre périodes qui est qu'il y a un balai infernal de mettre la table, débarrasser la table, remettre la table, redébarrasser la table. Donc ce que j'appelle cette tension, oui, entre l'intime, très fermé, très cinématographique, et puis ce grand éloignement pour embraser l'histoire en entier. Il y a d'abord une chose alors tout à fait personnelle, que les Bordelais ont déjà découvert dans la plaquette, qui est mon goût mexicain des couleurs fortes. On peut le dire comme ça. Mon goût du Sud, en tout cas, oui. Et que je partage totalement avec la costumière avec qui je travaille depuis très très longtemps, qui est elle aussi, avant de me rencontrer, très fascinée par les couleurs. Et là, sur Ligne de faille, c'est d'autant plus fort que, si vous voulez, ces quatre périodes, j'allais dire qu'on les traite aussi de manière comme si on faisait l'histoire du théâtre. On remonte esthétiquement, on remonte dans le temps aussi. Sol, qui s'appelle comme ça parce que c'est un personnage qui est dans la toute-puissance et qui se prend pour le soleil, hein. Il y a une chose très lumineuse et très high-tech, on va dire, avec des couleurs franches, il y a une lumière assez crue. Et puis petit à petit, quand on remonte dans le temps, on va arriver à la dernière période, à quelque chose qui est au contraire avec des couleurs tertiaires, et quelque chose qui est plus, en plaisantant, je disais aux acteurs, on commence à Bob Wilson et on arrive à Stanislavski, en remontant sur les esthétiques. C'est vrai au niveau du jeu aussi, et c'est vrai au niveau des costumes, c'est-à-dire que la dernière période, c'est un peu comme une carte postale très kitsch, avec des costumes folkloriques bien au-delà, pas du tout réaliste. Une chose qui est la petite maison dans la prairie, presque, qui fait un contraste qui va avec la tension du nazisme, c'est-à-dire que Nancy Houston est dans une chose qui n'est pas du tout commune. S'il s'agissait de dénoncer le nazisme comme étant atroce, c'est une évidence. Mais là, ce qui est très curieux, c'est que chez Nancy, cette famille nazie est très cultivée. Elle joue du piano, est très aimante. Il y a une douceur de la mère absolue. Donc ça correspond à cette petite carte postale de Noël qui est l'esthétique de la dernière partie. Je lui avais demandé de faire l'adaptation, moi, parce que je pensais que c'était une adaptation plateau et que donc j'avais besoin de la prendre en charge, ce en quoi elle a été complètement d'accord. Après, j'avais fait une première session de travail pour savoir si mes intuitions étaient justes. Et donc, comme j'étais artiste associée à Gap avant, je pouvais convoquer le public en disant, ben voilà, on vous invite pour une représentation, pour avoir votre sentiment. Et je m'étais attaquée aux deux premières parties du roman seulement. Pas la totalité. Nancy est venue et elle a été tout de suite une fan inconditionnelle de ce travail, qui est à l'origine d'ailleurs d'une belle amitié. Et c'était beaucoup trop long, c'est-à-dire l'adaptation des deux premières parties faisait déjà 4 heures, donc les coproducteurs disaient donc la totalité va faire 8 heures. Donc Nancy avait dit, Laure avait dit, elle a été notre agent magnifique en disant non, vous inquiétez pas, Catherine a été trop scrupuleuse. On va travailler ensemble, on va couper. Donc j'ai eu ce bonheur de travailler avec Nancy chez elle des heures et des heures, totalement inefficace pour les coupes. Hein. On avait coupé 10 minutes, ça ou rien, ça était. Mais comment demander à un auteur qui a déjà mis à la poubelle des tas de choses de couper encore. Par contre, ce qui était génial, c'était l'échange qu'on a eu sur ce qu'elle découvrait de son inconscient à elle en le voyant révélé par le plateau. Est-ce qu'elle pouvait me dire de choses que j'avais éventuellement pas vues, de d'où venait l'écriture? Ça, c'était absolument passionnant. Je pense que ça n'arrive pas souvent dans la carrière d'un metteur en scène de pouvoir, comme ça, être aussi
trait de la nature, de la racine de l'écriture. Ça, c'est un travail formidable. Et depuis, bon, bah, Nancy nous suit régulièrement. Je crois qu'elle l'a vu 6 fois, 7 fois. Et c'est une belle rencontre. Elle a dit une chose qui est un très beau compliment, qui me touche beaucoup. C'est que... Elle l'a dit tard, d'ailleurs, hein, mais c'est que ce spectacle l'avait en quelque sorte réconcilié avec ce roman. Ce roman qui a eu tellement de succès lui a coûté beaucoup de larmes. Quand elle l'a écrit, elle était dans un état de douleur totale, puisqu'elle se retrouvait dans la peau des narrateurs de 6 ans, donc dans cet état d'impuissance totale et de douleur, elle, pour des raisons biographiques évidentes, mais... Elle disait généralement, c'est un âge qu'on dit heureux, mais on a des tas de choses, des tas d'informations qu'on ne peut pas maîtriser. On est dans le pouvoir des adultes. Et elle avait beaucoup souffert en écrivant ce roman. Elle disait, pendant tout le temps où j'ai écrit, je me sentais idiote, je me cognais dans les choses, etc. Et le fait de le voir pris en charge comme ça à l'extérieur, de rire aussi, parce qu'on rit beaucoup. Mais moi, j'ai ri en lisant le roman. C'est pas moi qui tire... Mais simplement, ça a mis à distance et elle disait que c'était quelque chose qui l'avait finalement soulagée de ça, ce qui est un beau compliment. Mais parce qu'effectivement, on rit et on pleure. Ce que vous disiez, c'est que ça nous renvoie tous, quelle que soit notre histoire, ça nous renvoie tous à des histoires personnelles d'enfance, de famille, de secrets, de douleurs. La musique est toujours très, très présente dans mes spectacles. Je suis très, comment dire, très attentive à ça. C'est-à-dire que pour moi, le sens passe aussi par du rythme, par des mouvements de corps dans l'espace. Et donc, je travaille avec la même créatrice son depuis mon tout premier spectacle, Madame Miniature. Et là, dans Ligne de faille, il y a quelque chose qui est très scrupuleusement respecter, c'est que comme on remonte dans le temps, chaque chose qu'on entend sont des choses qui sont le hit de l'époque, on va dire. Donc si on commence par Madonna, c'est parce que ça correspond à l'année. Bon, je trouve qu'en plus les paroles correspondent à « I'm not Jewish, I'm not Christian and I'm not Jewish ». Mais bon, on l'entend ou on ne l'entend pas, c'est pas grave. Et chaque fois on a, bon voilà, à chaque époque, dans la dernière partie, il y a des musiques de l'époque mélangées à des discours de Hitler. Enfin, tout ça est très contextualisé par rapport à l'époque. J'ai beaucoup parlé de la tribu de ma famille, qui est aussi une raison de mon choix d'avoir pris ce spectacle-là comme premier spectacle, ici. J'aurais pu en choisir un qui était plus récent, mais je trouvais que ça marque l'importance qu'est pour moi le jeu de l'acteur. Tout est vraiment dans le jeu. Il y a plein de choses autour, on en a parlé. Mais il y a quelque chose qui est tellement sur l'intimité de chaque acteur et leur jeu par rapport à ça, est hyper important. Pour moi, c'est un bel hommage à ma tribu.